Die Olympia-Fans lassen sich nicht nur vom Sportprogramm begeistern, sondern treffen sich auch gerne zum Tausch von Sammelstücken. You don't need to be a world-class athlete to feel a part of the Olympics. For some, collecting memorabilia is a gold medal sport in itself. We've come to a fan zone on the outskirts of Paris to speak with some superfans and collectors. Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele gibt es einen eigenen Raum für die Sammler. Bah, le départ de la collection olympique, c'est les timbres, mais aujourd'hui les timbres ont beaucoup diminué, c'est surtout les pins et puis après c'est tout ce qui touche à l'olympisme. Donc ce sont des billets d'entrée aux Jeux olympiques, des cartes postales, des timbres, des magazines, des objets divers, des mascottes. Der 87-jährige Robert Bratt aus Monaco sammelt Anstecknadeln, schon seit mehr als 40 Jahren. J'ai commencé à 40 ans à collectionner les pins et les médailles, tout ce qui est métallique sur les Jeux Olympiques. Donc j'ai actuellement près 5000 pièces officielles de tous les Jeux de tous les pays du monde. C'est mon plaisir. Voilà, vendre l'argent, non, ça m'intéresse pas du tout. Catherine Salahun hat ihre Anstecknadelsammlung nach Paris mitgenommen. Je pense qu'on peut me qualifier de super fan parce que depuis 92, j'ai fait 14 Jeux Olympiques, soit d'été, soit d'hiver. Donc Paris vont être mes 15e Jeux. Die Tauschgeschäfte werden auch außerhalb des offiziellen Sammelraumes gemacht. When I bring pins that I have not paid a lot of money for, if I can trade them or sell them for more than I paid, it'll help reduce the cost of my trip. See somebody with a bag like this or a lanyard with pins on them, that means that they're willing to trade, so it's okay to go up to them and talk to them. And it's not just the revenue side, but the interaction is fun to talk to people. Für die Superfans geht es den Olympischen Geist, genauso wie für die Athleten.